Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Sois Cool au Mike et dans cette vidéo je vais vous expliquer un glitch qui va vous permettre d'avoir 99 auto-réanimations dans toutes les maps zombies. Alors pour réaliser ce glitch, il faudra être deux joueurs et il faudra que les deux joueurs soient amis en Activision pour que vous puissiez recevoir des invitations de jeu directement dans le jeu. Si ça ne fonctionne pas, n'hésitez pas à vous supprimer de votre liste d'amis sur PlayStation ou sur votre console et ensuite essayez de vous réinviter dans le jeu. Et si ça ne fonctionne toujours pas, ben réinvitez-vous sur votre console et réessayez de vous inviter dans le jeu pour voir si vous recevez des invitations dans le jeu directement. Quand vous recevez des invitations entre votre pote et vous-même dans le jeu, vous pouvez réaliser le glitch. Alors la personne qui va héberger la partie va devoir aller en multijoueur, puis ensuite en partie personnalisée. Ensuite, il faudra aller dans « Modifier règles », dans « Paramètres ». Ensuite, vous attendez que votre pote soit en partie personnalisée et qu'il vous invite. Quand vous recevez l'invite, vous appuyez sur « Triangle » et vous n'appuyez pas sur « Accepter ». Vous attendez que votre pote vous réinvite une deuxième fois. Quand vous recevez la deuxième invitation, vous appuyez sur « X » et vous spammez « Triangle, triangle, triangle » pour réouvrir l'invitation du joueur. Quand la deuxième invitation du joueur est affichée, vous allez dans « Afficher les informations du joueur ». Ensuite, votre pote va devoir quitter la partie personnalisée multijoueur, mais en partant en groupe et puis partir seul. Ensuite, il sera dans le menu multijoueur. À ce moment-là, il va vous réinviter. Vous recevez l'invitation, vous appuyez sur triangle et vous n'appuyez toujours pas sur accepter. Ensuite, le deuxième joueur vous réinvite une deuxième fois. Là, vous appuyez sur accepter et vous spammez triangle, triangle, triangle. Quand la deuxième invitation est de nouveau visible, vous allez dans afficher les informations du joueur. Ensuite, votre pote va devoir quitter en groupe et puis quitter seul pour se retrouver dans le lobby, multijoueur, zombie, etc. À ce moment-là, votre pote va devoir vous réinviter. Ensuite, vous, quand vous recevez l'invitation, vous appuyez sur triangle et vous n'acceptez toujours pas l'invitation. Ensuite, votre pote vous réanime une deuxième fois. Quand vous recevez la deuxième invitation, vous acceptez la première invitation et vous spammez triangle, triangle, triangle. Ensuite, quand la deuxième invitation s'affiche, vous allez dans « Afficher les infos du joueur ». Et là, cette fois-ci, votre pote va devoir aller en zombie. Donc vous, vous aurez toujours le menu « Modifier les règles en partie zombie ». Et là, ce que votre pote va devoir faire, c'est de lancer une partie en privé, donc sur n'importe quelle map, par exemple Contagion, et ensuite quitter le groupe seul. Quand ceci est fait, vos règles vont être modifiées. Et ensuite, vous pourrez aller dans « Joueur », ensuite dans « Baron d'honneur », et là, vous aurez « Compte ». D'auto-réanimation, là vous mettez 99 et ensuite la partie se lancera automatiquement toute seule. Pendant que la partie est en train de se lancer, votre pote peut vous re-rejoindre et d'autres potes peuvent rejoindre aussi la partie. Ensuite la partie se lance, vous avez le chargement et là quand vous allez arriver dans la partie, vous pouvez aussi à ce moment-là inviter d'autres personnes. Quand ils rejoindront la partie, ils auront aussi 99 auto-réanimations. Et ensuite, quand vous êtes dans la partie, vous pouvez remarquer en bas à droite que vous avez 3 auto-réanimations. Mais en réalité, vous en avez 99. Donc vous pouvez mourir en illimité. Et ça, ça fonctionnera pour tous les joueurs et ça fonctionnera sur toutes les maps si vous réalisez bien la manipulation comme je viens de vous l'expliquer. Donc en soi, c'est pas vraiment compliqué, mais c'est beaucoup de répétition. Donc quand vous aurez compris le truc, vous le ferez easy money. Il n'y a rien de compliqué. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sois Cool Mec et ciao. Peace.